السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين غابينيت. اليوم عندنا هاد لا بيتزا هادي اللي كتجي رائعه الحباب. تابعوا معايا الوصفه فنبدا على بركه الله. لهاد لا بيتزا غادي نحتاج 3 نتاع الكيسان نتاع السميده الرقيقه، راه كل كاس يدير 100 غرام، يعني هنا عندي 300 غرام 300 غرام، وهنا عندي زوج كيسان فارينه ولا 200 غرام دو فارينه. Alors, donc en fait, on a 3 verres de semoule extra fine. Chaque verre font 100 grammes. Donc là, il y a 300 grammes. D'accord. Maintenant, on va essayer de peser en verre pour que tout le monde puisse refaire la maison. Ok. Donc là, on a 300 grammes de semoule extra fine. Dans chaque verre, il y a 100 grammes. C'est des verres qui pèsent 100 grammes. Ok. هنا عندي معلقة كبيرة خمارة فورية ولا خمارة العجين ولا معلقة كبيرة. On a une cuillère à soupe de levure sèche boulangère. هنا عندي معلقة سكر. Une cuillère à soupe de sucre. وهنا عندي معلقة ملح. Une cuillère à café de sel. والماء على حسب الخليط. Ok. Et là, l'eau qu'elle a mis avec la levure sèche, elle est comptabilisée dans cette eau-là, d'accord? Ok. يلا بسم الله. Allez, بسم الله. Allez. Alors, نبدأ بسم الله نحطها. Donc là, elle a commencé à mettre la semoule extra fine. Ou la farine. Avec la farine. Donc au total, on a 500 grammes de poudre. Donc 200 grammes pour la farine et 300 grammes pour la semoule extra fine. نزيد الملح. Elle met le sel. On zid hadik sukkar. Elle met le sucre. Alors, nkhallat. Elle mélange. Ou daba nzid hadik. Alors, elle a mélangé. Nsina zid zitoun. Ah, l'huile d'olive. On va la rajouter. Alors, nsina zid zitoun. On a oublié l'huile d'olive, hein. Donc là, on va mettre l'huile d'olive. Combien d'huile d'olive, Asya? On va mettre 2 cuillères à soupe environ d'huile d'olive. Ok. Super. On signe aussi boudra de halib. Ah, on a oublié le lait en poudre aussi. On a tout oublié aujourd'hui là. Parce qu'en fait, on a commencé la recette, on a reçu un coup de fil assez important. On était concentré dessus et d'un coup, boum, on a oublié les choses. Il y a le portable qui sonne. Ah. Alors, zit. Je connais. On dit qu'il y a 2 ma'alqat kbar ديال poudre de halib. Ok, donc 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Voilà. Donc là, on va mettre la levure qu'elle a dissoute dans un petit peu d'eau. L'eau, elle est comptabilisée avec celle-ci. Et on vous dira donc au total ce qu'on a mis comme eau, y compris l'eau qu'il y avait avec la levure. Donc l'eau tiède. Hein. Allez, on va mélanger avec la cuillère en bois. C'est pas grave. Allez, on mélange tout ça. Alors, on met tout ça au robot. Elle va rajouter l'eau certainement. Combien de temps tu pétris, Asya? 5 minutes. Oh, ok, environ 5 minutes. Ok. Allez, on pétrit pendant 5 minutes. Hein. Allez, au niveau de l'eau, on a mis 300 ml d'eau en total, d'accord? On a une superbe pâte. Donc je vais vous répéter un peu ce qu'il y a. Il y a 300 g de semoule. 300 g de semoule, 200 g de farine. On a une cuillère à café de sel, l'eau tiède 300 ml et on a mis 2 cuillères à soupe de lait en poudre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, on va laisser la pâte reposer. On va ensuite vous revenir. On a mis 300 ml d'eau. A tout de suite. À tout de suite. On va mettre un peu de fufu. Un demi poivron rouge. Un demi oignon rouge. Voilà, بصله مشلضه حمراء شويه تاع البلون دو بولي. On a 100 grammes environ de صدر دجاج. 120 grammes. عندي واحد شويه تاع الفلفل الخضر. Un demi poivron vert. عندي 4 تاع الفرماج باشكيري. 4 portions de باشكيري. Alors, عندنا l'origan. On a de l'origan. وعندي الملحه والفلفله. C'est le poivre. Et la sauce tomate, on va vous mettre le lien en bas de la vidéo pour réaliser la sauce tomate. La sauce tomate دارها cuisine rapide. Vous allez avoir le lien. Alors, on vous mettra en bas la vidéo. Ok, allez, c'est parti. Allez, bismillah. Allez, donc là, tu mets de la farine sur le plan de travail. Alors, هنا خمرت ليا العجينة. Waouh. دابا درت شوية الفارينة هنايا في البلان دو ترافاي. Farine, hein. Farine, ouais. Ok, donc là, débarrasse la pâte. Voilà. Ok, super. Ok, donc tu étales la main ou. Ouais, oui, tu fais la professionnelle là. Voilà, j'essaye en fait. Ok. Rapproche-moi un peu Asya ici parce que sinon je suis obligé de lever la caméra et on va voir le bazar. Y'a pas de bazar chez moi, ok? Oui, je sais. Tu veux le rouleau ou pas, Asya? En fait, le bazar il est lourd. Ouais, ouais. Ok, prends le rouleau qui est là-bas, Asya. Tu te prends la tête là. Bon, finalement, il a pris le rouleau, les amis. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein.
Ça coupe à chaque fois, si. Ah, il est ramer peut-être. Ouais, mais ah, d'accord, tu vas faire la place pour mettre le fromage, c'est pour ça que tu le voilà. Que tu le tales plus grand que le poêlon. Exactement. Très bien. Exactement. Impeccable. Je suis à Giovanni. Je te mets à la gina qui daira. Gina Melissa, qui est tout chien à belle, belle pâte, hein? Super. Ok. Alors ensuite, tu vas faire quoi, Siad, maintenant? Tu mets le fromage sur le contour? Voilà. Alors, ouais, j'ai... Donc là, on va mettre du fromage sur le contour. J'ai bien le fromage. On le met sur le contour pour l'instant. D'accord. Ok, donc là, elle a mis le fromage. Alors, on a mis le fromage autour, haka. Tu mouilles pas la pâte, ça rien, si? Ça va coller tout seul? Ok. Bien sûr. Et là, voilà. Elle replie. Et après, ah oui, après c'est délicat après, parce que tu vas la soulever pour la mettre sur le poêlon. Ah oui, c'est vrai. J'ai ah ouais. Ça, tu vois. Je pense que les abonnés, pour pas qu'ils se fassent avoir, il vaut mieux qu'ils fassent ça directement sur le poêlon. Ouais. Puis ils se débrouillent parce que voilà, parce que sinon ça va être trop pour la manipulation. Ou alors ce qu'on aurait dû faire, c'est le mettre sur un papier cuisson, sur un plat et le faire glisser après. Voilà, exactement. Ok, on va voir. Il y a toujours une solution. T'inquiète. Ok, attention, suspense, Rabinette. Je vais y arriver. Elle va gérer la. Allez, bismillah. Allez, voilà, on va gérer tout doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, elle avance, elle utilise la technique des petits pas. Ouh, qu'est-ce qu'il parle bien, le Rabinou. Petit à petit, voilà. Mais vous, de votre côté, faites-le directement sur le poêlon pour ne pas avoir à déplacer votre pizza. Allez, hein, d'accord. On va mettre. Oui, on t'écoute, Assia. Alors, je fous ma pizza qui est d'ailleurs là. Ah, ouais. D'abord, on va prendre ce kiri là. Ouais. Alors, kiri ou Saint-Mauré, ou ils prennent ce qu'ils ont comme fromage à la fin. Voilà. Lesquels m'offrent. Ok. Alors, on va tartiner de la pizza d'Yeli. Donc, elle tartine avec la vache kiri. Alors, je vous garantis, la vache kiri, ça apporte du goût. Il y en a qui n'aiment pas la vache kiri, mais je vous garantis que ça apporte du goût. Et par-dessus, tu mets la sauce tomate. Voilà. Waouh. Si avec ça, je ne prends pas 6 kilos, c'est que. Non, je rigole. On est raisonnable, on mange une portion et on se fait plaisir. J'éteins. Ok, Assia. La famille, elle incite nous voulons qu'on dise ou à des coups de fourchette, haka. Je suis très bête. Là, on met des trous, voilà, on fait des trous pour pas que ça gonfle pendant la cuisson. Vous avez gibre de la tomate. Là, c'est tomate, magnifique. Faite par cuisine rapide. Non. Cuisine rapide. Rapide, pardon. Ouais, c'est facile à faire, vous allez voir. Hein. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo près de la. Près des ingrédients, vous allez pouvoir réaliser cette recette sans difficulté. Les yeux fermés. Ouais. Et en plus, la semoule, ça apporte une belle couleur à la pâte. Franchement, ça va être terrible. Donc là, au niveau de la sauce tomate, vous mettez 4 à 5 cuillères à soupe. Allez, tu vas mettre maintenant le fromage. D'abord, allez-y, une poignée de le fromage. Ne vous inquiétez pas les amis, les abonnés de Cuisine Rapide, on va réaliser la même recette sur ma chaîne. Enfin la même recette, voilà, avec une petite touche d'originalité. Là tu rajoutes donc les poivrons avec les oignons. Voilà. Ok. Tu en mets encore ou pas non? Non, pas la casse. Voilà, vous mettez... Alors je rajoute de la viande. Donc là rajoute le poulet cru parce que ça va cuire directement au four, il n'y a pas besoin de pré-cuire le poulet. Non, il va être sec. Nous, on veut du jus, on veut que ça soit juteux. Voilà. Avec l'origan, certainement, parce que l'origan, ça apporte du goût. Alors, il y a déjà du basilic dans la sauce tomate. Hein. Ok. Alors, sel. Ouais. Ah, tiens. Donc là, il est en train de répartir le poulet un peu partout pour qu'il y en ait vraiment dans chaque bouchée. Ok. Ensuite. Dès que je suis là, ouais. On met une sèche, l'origan. Tu mets de l'origan, ça c'est bon, ça l'origan. Allez, on va mettre du fromage par-dessus. On a bien zide le fromage en haut. On a juste un peu de fromage. Puis une oise zitoune. Allez, on va mettre des olives noires par-dessus. On a juste un des zitoune à souhaite. Donc, olives noires. Pour parler de chacun. Super, c'est magnifique ça.
Okay. Voilà, on zit chouïa l'origan. L'origan par-dessus. Et ça part au four pour environ combien de temps, tiens? Donc il n'y a pas besoin de précuire la pâte. Hein. Non. Non, parce que la pâte elle est fine. Il faut juste bien chauffer le four. Ouais. Parce qu'on traîne le four bien. Ok. Zien. Et après on est parti pour environ 25 minutes de cuisson. Ouais, à peu près. À 200 degrés ou 190 degrés, ok? À tout de suite. Allez. C'est parti au four, à tout de suite. À tout de suite. دونك صايي لا بيتزا كيوت او بو دو كومبي طون سي ا فوالا انا خرجتها من الفران راه عاد سخونه طابت لي 20 دقيقه بالضبط 20 minutes environ à 200 degrés on a mis tiens attention chaud tu prends la pizza directement je vais la prendre comme ça okay. c'est chaud super hop moi je débarrasse hop là alors شوفوا معنا كي كتجي دايره وعلى 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 جات ما شاء الله ما شاء الله وي الحباب انا هاد لا بيتزا غادي نديها معايا لو بارك غادي ناكلها مع مي كوبين Je vous aime. Au revoir. Bis, bye bye. Bye bye. Et on se retrouve quand, Asia? C'est quand les jours de publication? Alors, gouna lundi, mercredi et samedi. À 10h le matin. À 10h, Inch'Allah. Allah, Inch'Allah. Tallao, bis, bye bye. Tallao, bye bye. Alors, Abinette, elle est en train de couper sa pizza. Elle est chaude, hein? Elle est chaude encore, ouais. T'as été bien au fond? Mais machin, la pizza. Elle est coupée. Je vais doucement pour que je prenne la photo. Attention. Waouh, elle est magnifique ta pizza. Magnifique. Voilà la famille. Et le fromage. Sahaouraha, elle est srona. Tarlao, bis. Bye bye. Bye bye.